Après un travail de collaboration assidue, l'équipe Fin développe ce que vous trouvez aujourd'hui un petit peu plus tard, le Online Citizen Support Portal que vous trouvez dans un petit moment. Avant ça, il est intéressant de comprendre qui était ce portail-là et en tant que citoyen, qui libère tout faire. Si on a pour résumer d'une façon simple, le Citizen Support Portal, il est pour relier les différents composants de société. C'est-à-dire le citoyen, les services gouvernementaux, incluant les paraétatiques, les autorités, et en dernier, les policymakers. Le lancement commence avec 7 ministères dans une phase pilote. Il est important que le système soit stabilisé. Il prend un petit temps pour maintenir une amitié. Une fois les stabiliser, nous rentrons dans phase 2 et phase 3 du projet pour être capable d'étendre au reste du système gouvernemental. Maintenant, au niveau d'un citoyen, on comprend que c'est un début et qu'il peut qu'il y marche et qu'il contient le vrai, il est important que les citoyens nous donnent nos bonnes suggestions de comment pour continuer à améliorer le système. C'est un début. Alors ça, c'est la première affaire que nous avons déjà aux citoyens. Deuxième chose, en tant que citoyen, nous aussi une responsabilité, nous tous avons une responsabilité, pour qu'ils nous fassent une requête qui est genuine. Alors, par exemple, si on fait application pour un PMI, et on est supposé dans le ministère, et on est supposé gagner un PMI là, within 2 semaines. Dans 2 semaines, vous êtes supposé qu'il y a un permis là, mais après 2 semaines, vous pouvez trouver, ou pas une communication, ou pas trop si que de sa peine là, il est arrivé. C'est une requête qui m'appelle genuine, et bien sûr, on peut écrire le ministère concerné pour donner une réponse à cette situation là était. Mais nous avons fait très attention à ne pas faire une requête qui n'est pas genuine aussi, parce que l'autre système là, nous perdons le temps, collègues fonctionnaires, il y a beaucoup d'affaires à faire, alors il est important qu'ils nous prennent en compte ça. Un exemple d'une requête qui n'est pas genuine, c'est que c'est un petit mot d'écrire pour dire qu'il y a envie qu'on salaire un CEO d'un paraétatique. Il n'est pas pour considérer comme une requête genuine et pas qu'on a suite à sa demande.